Eh bien salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. En fait je vais tout simplement vous montrer comment réaliser les défis des skins basket en simplement et ultra rapidement. Donc pour ceux qui ont acheté le pack comme moi, pour ceux qui ont été dans la boutique acheter les packs des deux skins, vous avez des défis à faire en plus que ceux gratuits pour avoir les couleurs différentes des personnages. Donc je vais tout simplement vous montrer comment les réaliser. Donc première étape, tout simplement, vous lancez votre mode créatif et vous allez sur une de vos îles, n'importe laquelle. Et en fait, tout simplement, quand vous regardez, il va falloir collecter des pièces. Donc on va mettre, hop, galerie des défis. Donc vous prenez la galerie des pièces, voilà. Ça vous fait spawn tout ça comme pièces. Donc c'est simple, nous on va juste avoir besoin des pièces et des chaussures. Donc hop, vous prenez les pièces. Vous les mettez comme ça n'importe où et vous spammez votre touche pour les placer. Hop, donc bon, j'en ai mis beaucoup, c'est pour ça que le son il est devenu fort. Hop, vous faites pareil avec les chaussures. Hop, c'est pas les chaussures que j'ai. Tac. Vous les mettez là et vous spammez aussi. Voilà, donc là déjà normalement si vous le faites correctement, enfin c'est pas une question de timing ou quoi que ce soit, hein, vous avez tout le temps qu'il faut, mais si vous en mettez vraiment assez, en théorie vous faites déjà deux défis d'un coup. Et ensuite vous avez juste un défi qui consiste à marcher sur des blocs de colorisation. Donc je vous l'ai montré sur la galerie, il est juste là, hop, vous le prenez, vous en jetez un et après vous spammez juste avec votre téléphone encore une fois. Hop. Et là par contre vous pouvez vraiment spammer parce qu'il faut marcher sur énormément de blocs. Donc moi je vous mets ça en accéléré et puis bon, on se retrouve tout de suite quand je marchais. A tout de suite. Ok, donc juste un petit truc qui pourrait être important, c'est vous prenez dalle de modulation de vitesse, hop, vous la placez un peu n'importe où, vous faites personnaliser, vous mettez en super rapide, infini, accepter, hop, mon île, lancez le jeu, et là vous allez voir, il y a tous les défis qui vont se faire en même temps. Donc, tout simplement, on va commencer par se jeter bah, sur les chaussures. Hop. Attention au bruit. Voilà, donc comme vous avez vu, ça a été méga vite. Et là, on fait, hop là, exactement pareil pour les pièces. Voilà, et donc là, mon défi pour les pièces, c'est fait aussi. Maintenant, on prend notre petit module et on marche sur les plaques. Voilà. Hop. Et si vous le faites sur une surface plate, enfin moi disons qu'il est pas parfait mon truc, mais si vous arrivez à le faire en mode escalier ou assez plat, vous n'aurez pas besoin de sauter comme moi et perdre du temps pour rien. Et là du coup vous voyez mon défi qui est en train de se charger. Donc c'est normal si on n'a pas le même défi parce que moi j'ai déjà fini la première partie qui était de colorer 100 carreaux. Donc là il faut que je le fasse pour 1000 maintenant. Hop, j'en ai oublié un.
là, le défi qui continue d'augmenter. Et voilà. Et là, mon défi est quasiment fini. Et donc, en fait, c'est simple. Vous refaites ça plusieurs fois et vos défis iront ultra vite. Voilà, c'était Banden. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis, ciao.